L'équipe de France demeure invaincue de ses deux rencontres face au Danemark. Les deux équipes s'affrontaient sur le sol guadeloupéen pour le tournoi Air Caraïbes Cup. C'est une réussite, voilà. On a fait deux matchs pleins, on s'est donné à fond, on a fait plaisir au public, aux enfants, toute la semaine. Donc voilà, le stage, c'est une réussite complète pour nous. Les Antilles, voilà, étaient très accueillants, très chaleureux. Voilà, c'était parfait, tout était parfait pour nous. On était mis dans de superbes conditions. C'est une réussite, comme j'ai dit. Et voilà, j'espère pouvoir revenir dans le cadre des vacances. D'un point de vue sportif, on a une victoire et un match nul. Donc je pense que c'est quelque chose de bien pour nous. C'était pas facile de faire ces matchs dans une ambiance un peu festive pour nous en cette fin d'année. Mais on a réussi à rester sérieux sur ces deux matchs et tout en profitant aussi de la Guadeloupe. Donc on a réussi à allier l'utile à l'agréable, à passer des bons moments et en même temps à rester sérieux pendant nos matchs. Un premier match gagné par les Français à Pointe-à-Pitre sous le score de 30 à 23. Le deuxième se disputait ce mercredi à Basse-Terre dans le palais Omnisport Didier Dinard, inauguré avant la rencontre. Le premier entraîneur ultramarin, sacré champion du monde, a été honoré lors d'une cérémonie qui s'est tenue en amont du match. Lors de ce stage, des joueurs de qualité, même si c'est un stage à caractère où on voulait mettre de la cohésion, je pense que les joueurs ont fait le nécessaire pour se rendre la tâche facile, profiter, se ressourcer et en plus être décisif lors des deux rencontres. La rencontre se termina sur un match nul à la fin du temps réglementaire. 29 buts pour les deux nations. Ils auront l'occasion de se départager à nouveau lors des compétitions majeures, à commencer par le mondial organisé par l'Allemagne et le Danemark, prévu en janvier 2019.